C'est vraiment d'avoir un teint le plus parfait possible. Vous avez une superbe peau renflouée et surtout des grands yeux, des petits boucles. Donc on va tout faire pour mettre en valeur les yeux parce que c'est vraiment ce qui doit passer en avant. On a travaillé déjà la couleur dans le sens pour faire ressentir la couleur des yeux, donc on va continuer avec le maquillage. Alors comme ta peau est belle, tu vois, je ne vais pas en mettre partout du fond de teint. Je vais en mettre aux endroits stratégiques, c'est-à-dire en gros le centre du corps et puis après j'étire juste. Il est juste là pour unifier les petites rougeurs et les imperfections. Donc si tu veux un effet ultra naturel, tu n'es pas obligé d'en mettre partout. Maintenant, je vais refaire les pommettes. Moi, je vais les mettre un peu en avant au contraire pour en faire une force, tu vois. Alors comme tu es dans une gamme froide, on va prendre un framboise écrasé. Au ras des yeux pour faire ressortir justement le rouge et vert parce qu'on a une couleur complémentaire. Mais encore une fois, je veux vraiment que ce soit à peine perceptible, c'est dans le détail.